done so much for me. I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? Yes. Rita kata karito yara kata 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 kata. On prophétise le présent toi dit reçois. Il ne va pas avec le Dieu aussi comme elle. Amen. Ma on a serré avec toi Dieu va t'aider aujourd'hui. Amen. Aligon debout de wa. Il n'y aura pas d'obstacle. Nous debout de bade. Tout ce que tu désires. Et dans le tombé de Jérusalem, comme amen. Et dans le tombé de Jérusalem, comme amen. Yitchami au mouton. Je reçois. Yitchami au mouton. Je reçois. Le Jérusalem, comme amen. Amen. Tu dis, mais c'est moi aussi. Assieds-toi, nous allons écouter la parole de Dieu. Egbe mauna mauchena pachawi. Mon Dieu va t'étonner aujourd'hui. Le mauchena pachame. Car mon Dieu c'est le Dieu qui étonne. Anamo mausi an loegbe. Aujourd'hui. Anamo mausi an loegbe. Tu verras aujourd'hui. Hota reju bien c'est ma hodo. Le thème de la prédication. Ewa ina enise okusi kanle. Couper les liens de la mort. Amen. Okusi kanle enise. Elle est sainte au coup si qu'en l'air. Pelle elle est mort. N'tenne le coup. Qu'appelle-t-on mort? Et puis, mais que l'on dira coup de l'or et m'lain. Mais vous voyez si m'lain, mais il faut au coup et va. Aujourd'hui, les gens parlent de la mort comme quand quelqu'un se couche et n'a plus le souffle, c'est la mort. Mais ça, non, ça, mogue, bah, et on l'amène à la morgue, c'est fini. On enlève de là-bas, on va l'enterrer. Non, non, pas, mais là, on le met dans le cercueil, on l'enterre, c'est fini. Quoi, non, pas, ouais. La mort, c'est une entité. Non, pas, ouais. La mort est une entité. Bon, oui. Qui marche. Bon, c'est. Qui prend. Bon, donc, deux couteaux. Et qui tire les choses vers l'arrière. Tu peux être vivant, bien qu'étant vivant, tu serais mort. Le commerce meurt. Les finances meurent. La destinée meurt. Pourtant, celui qui porte cela est vivant. C'est ça qu'on appelle mort. Beaucoup de personnes font des efforts. Il y a enfants, ouais. Ils se lèvent tôt. Il y a camp, ouais. Ils courent. Mon cœur grandit. Et ils trouvent l'argent. À mon camp, là, ouais. Mais un lien tient l'argent. Et au coup, si quand. Et c'est le lien de la mort. Quoi, dans l'homme est tôt. Malgré que l'argent soit dans la main. Et si c'est une tia. Cela ne servira à rien. Et ouais, mais quelqu'un mon quoi. C'est pour ça beaucoup trouvent de l'argent, mais ne peut pas acheter une maison. Il trouve de l'argent. Il peut passer de parcelle. Il trouve de l'argent. Mais leur habit n'est pas propre. Parce que car le lien de la mort tient l'argent qu'il trouve. Quand les liens de la mort tiennent quelqu'un, il se lève tôt, mais il reste affamé. Quand les liens de la mort tiennent quelqu'un, il court. Il travaille. Il transpire. Mais non marche. Mais cela ne marche pas. Amon. Mais. On prophétise le présent toi dit. Je prophétise sur ta vie.
Donc, on va être différent au nom de Jésus. Donc, ça ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Tout lien de la mort qui te tient. Sors. Les liens de la mort. Je les coupe. 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 Amen. Écoute-moi. Les liens de la mort peuvent lier tout le monde. Toute personne. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu seras lié. Écoute-moi bien. Qu'appelle ton lien de la mort. Tu vas à quoi? Avant de mourir. Avant que les démons ne te tuent, avant que tu ne quittes la terre, la première chose que les esprits feront, ils vont te lier avec les liens de la mort et te laisser ainsi. Tu peux faire 10 ans ici, 20 ans, 40 années, même 30 ans, avant qu'on ne te tue finalement. Ce n'est pas le jour où ton souffle part que tu meurs. Tu es déjà mort il y a longtemps. Peut-être ton foyer peut mourir. Ton commerce peut mourir. Ton travail peut mourir. Ta pensée peut être morte. Ta pensée peut être morte. Ta volonté, ton désir peut mourir. Ce qui vit, c'est ce qui va et qui revient. Santé, ta santé peut mourir aussi. C'est pour cela que les hommes de nous, seconde par seconde, tous les jours, ils prennent des médicaments. Ai-je menti? Abonnement. Hein? Abonnement. Que des médicaments dans leur sac. Quand ils font un pas, ils prennent des médicaments. C'est l'alerte ainsi pour toi, sache que les liens de la mort tiennent ta santé. Les liens de la mort tiennent ta santé. Quand les liens de la mort tiennent l'utérus d'une femme, elle fait tout, mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Maintenant, qu'appelle ton lien de la mort. Ce n'est pas la mort elle-même. Mais l'instrument que la mort utilise. C'est un instrument qu'il utilise. C'est le micro que je tiens. Donc, la mort aussi a un instrument dans sa main. Et l'instrument est puissant. Elle a la capacité. Elle a le pouvoir. D'attraper une personne de la faire asseoir sur place. Elle peut honnir l'homme. Il va arriérer ta vie. Il ne connaît pas l'intellectuel. Il ne connaît pas celui qui est gros. Il ne connaît pas le mince. Il ne connaît pas celui qui prie. Tu dois connaître tes secrets et les combattre. Aujourd'hui, maintenant que tu entends ce message, même si les liens te tenaient avant que tu ne sortes, les liens seront rompus. C'est pour cela que nous ne trouvons plus de l'argent. Quand les liens de l'église environnent une église, il peut y avoir 10 000 fidèles, mais ils seront dans des clairs. Seront dans des maisons faites en clair. Quand les liens de la mort tiennent quelqu'un, il peut gagner 1 500 000 par mois. Il n'aura même pas de divorce. Il n'aura pas un lit pour se coucher. Il n'aura pas de télévision. Après la fin du mois, il y a déjà des dettes à solder. C'est une visa. C'est une visa. Quand les liens de la mort tiennent une famille, difficilement une personne pourra acheter un véhicule.
Difficilement, difficilement, ils vont acheter une moto. Quand combien de personnes gagnent le salaire dans ta maison familiale? Combien de personnes ont construit une maison à étage dans ta famille? Combien de personnes ont pris de vol pour voyager? Combien de personnes ont prospéré chez toi? Voilà les liens de la mort. Cela descend du père à l'enfant. Du père. Et cela descend du grand-père. D'une génération à une autre génération. Si tu ne prends pas pour te sortir du lien, tu vas rester dedans. Notre grand-père était très riche. Et après sa mort, regardez la maison. Voilà les liens de la mort aussi. Et la famille. Tiens la famille. Beaucoup de familles ici au Bénin. Beaucoup de familles en Afrique. Et les liens de la mort les tiennes. Combien de personnes ont trouvé de bons maris et demeurent encore sur le toit de ce mari? Combien de personnes ont trouvé un mari et s'est marié après le mariage? Combien de personnes se sont mariées et ne sont pas venues pour les réconcilier? Combien de personnes sont mariées et sont restées là du matin jusqu'au soir? Tu vas te fâcher et prier ce soir. Si les liens de la mort te tiennent, le seul pain que tu as doit se déchirer avant que tu trouves de l'argent pour en acheter d'autres. Tu auras des bienfaiteurs qui ne vont pas se rappeler de toi. Car celui qui est en prison ne peut pas prendre du piment. Le prisonnier ne pourra pas manger ce qu'il veut, mais il va manger ce qu'on lui donne. Ce qu'on donne aux prisonniers, c'est ça, il mange. Celui qui est tenu par les liens de la mort est comme le coq qu'on a attaché. Même quand on le libère, on travaille sur pas sa pensée. On le chasse. Pour qu'il sache qu'il a été délié. Il ne saura pas que les liens sont dénoués. Parce que c'est un lien spirituel. C'est un lien spirituel. On parle de génération en génération. Qui travaille de génération en génération. Aujourd'hui, le Dieu de David, David qui a libéré David de ces liens de la mort, il a libéré Elle a libéré son égbé. Amen. 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 Yes. Quand le lien de la mort te tient, tu peux être bien belle. Tu ne verras pas celui que tu désires, mais ce que tu ne veux pas, c'est ça qui viendra à toi. Parce que des coups de canfanoué. Comment la mort a déjà attaché ton pied? Ta beauté va pourrir. Elle sera morte. À quoi quand tu es coup? Tes finances seront mortes. La part que tu vas faire sera une joie, sera tes pleurs. Là devant toi, ton enfant va commencer par se droguer. Devant toi, il va s'enivrer. Devant toi, il va refuser d'aller à l'école. Devant toi, il va voler, on va l'attraper. Si les liens de la mort te tiennent, tu auras seulement des situations de honte. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me suit. Si nous travaillons sur notre vie, notre vie sera agréable à voir. Les liens de la mort au Père. À quoi c'est quand même beaucoup de finances, la mort a même mis dessus. Malgré qu'ils vont. Malgré qu'ils sont en joie. Mais à quoi quand même? Mais leur finance est liée. Je vais te poser une question. Mais où est-ce que le lien te tient? Foyer, mais est-ce ton foyer? Est-ce ton fonds de commerce? Est-ce ta beauté? Est-ce ton utérus? Est-ce ton travail? Qu'est-ce que le lien tient? Tout tombe debout. Le lien de la mort le tient dans une situation de sa vie. Cela tient forcément quelque part. Et nous allons prendre l'épée pour couper ces liens. De
Amen. Débord de où? 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 Amen. Nous sommes maus, mais sans les jazz ou tout ouais. Amen. On jazz ou tout ouais, jazz. Amen. Yes. Ok. Somme chapitre 18. Somme chapitre 18. Versets 5, 6 et 7. Versets 5, 6 et 7. Se dit ainsi. Les liens de la mort m'avaient environné. Oh, coussi quand les domi. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Bon, nous règles si tous les salaires de Rassi Donoumioué. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Oh, yo, aussi quand les blami. Les filets de la mort m'avaient surpris. Oh, coussi dans les cotions domi. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Non, ou blatché, mais oh, ou il a ma j'ai crié à mon Dieu. De son parler, il a entendu ma voix. Non, physiquement, ton Dieu est sécurité. Et mon cri est parvenu devant lui bon, à ses oreilles. Mon soutien est bientôt dans les mains. Amen. David, c'est David qui parle ainsi. David, il dit que les liens de la mort l'environnaient. Et dans Doba. Que les liens du sépulcre. Et dans Ouliemi. L'environnaient. Et dans Bladoemi. L'environnait. Elle est la demi. L'environnait. Elle ne remit pas. Était proche de lui. David est mon oeil. C'est David qui parlait ainsi. Elle est quand? Elle est quand moi? Il voit les liens. Elle est quand moi? Il voit les liens. Elle est ouvert vite ton main. Il dit dans ma détresse. Ouvert vite ton main. Dans ma détresse. Donc nous quand on coupe ton blaireau ouvert aussi. Quand les liens de la mort au ciel, tu seras dans la détresse. Ouvert tes mains de allons dit. Dans quelle difficulté es-tu actuellement? Ah vous êtes dossier de dépôt, vous dossier de dépôt, il est expédié. Tu as déposé un dossier, on t'a jamais appelé. Ah on doit quoi dans ta quand tu as quoi? Tu as l'âge de marier, mais tu n'es pas encore marié. Alors quand toi ben nous quoi les connotés alors tu fais des efforts mais les gens ne restent pas dans ta main. À moi soi mais les voleurs ils s'assoient. Si tu veux marier quelqu'un d'autre viens prendre ton mari. À moi soi mais les voleurs ils s'assoient. Si tu veux prendre quelqu'un d'autre viens t'arracher le travail. À tes hommes mais les voleurs quand tu transmets quelque chose en zoui. Ah non ouais quand on coupe aussi vidéo. Tu vas rompre celle de la mort de ta vie. Bon alors train de me laisser moi. Arrête d'indécer les autres. Non indécer un coup si quand des blagues. Indécer les liens de la mort qui te tiennent. David quand on allait les demi. David dit que les liens l'environnent. Et là yoto si quand les gars blagues. Les liens des esprits veulent m'entourer. Et là mais quoi? Il n'a pas dit qu'il est mort. Et donc père, et donc père. Il est vivant. Ah mon quand des blagues. Mais il y a un lien qui le tient. Quand des blagues égbe. Quel lien te tient aujourd'hui? Coup si quand les dans moi égbe bah. Amen. Comment savoir que les liens de la mort te tiennent? Comment savoir que les liens de la mort te tiennent? Ouais, mais toi qui dors la nuit, tu ne vas que les morts. Tu vas au marché avec les morts. Tu partes avec les morts. Tu parles avec les morts. Tu parles avec les morts. Celui qui est mort il y a longtemps. Et tiens, mon âme, l'autre même. Ce sont eux que tu vois dans ton sommeil. Tu n'as aussi qu'un blaoui. Sache que les liens de la mort te tiennent. S'il en est ainsi, nous ne vous y sommes dans notre main. Hein? Rien ne peut prospérer dans ta main. Mais quoi et quoi? Celui qui est mort est mort. Ouais, mais donc, père, donc, on met le couteau toi main. Qui es vivant, tu es plus puissant que celui qui est mort. Tu ne dois plus le voir dans ton sommeil. Tu n'as mis le doigt au couteau main. Sache que tu es dans les filets de la mort. Alors, toi, tu es dans les filets. Bah, non, vous, tu dois déchirer les filets pour sortir. Et il y a 200 personnes mort, on a des six quand même. Tu vas enlever de ces liens-là. Amen. Yes. Ayons nous un bloc. Tu sais faire, non? Ayons bloc Gandhi. Tu as le savoir-faire. Tout le monde, tu connais la chose. Mais t'es tombé à l'oïque. Mais tu n'as jamais ta place. À tout le monde. Tu sais faire. Ayons bloc ou melebi. Tu sais faire plus que tout le monde. À ce moment, Gandhi. Tu as bien étudié. Mais à ce point, quand tu es là, sommeil aïe. Mais la place qui est pour toi dans le service, tu ne l'occupes pas. Quand est blabé, non, mon ya. Il y a des liens qui te tiennent et on ne te voit pas. Quand est blabé, vous êtes dit, il y a des liens qui te tiennent qui te font asseoir. Quand est blabé, vous êtes au couteau. Il y a des liens qui te tirent en arrière. Quand est-ce que tu me blabé, présent, toi. Il y a des liens qui tiennent ta vie. N'est-ce pas quand blabé? Quand les liens de la mort tiennent ta pensée, en tout moment tu vois de mauvaises choses partout. Tu vas faire ce travail là. Quand on fait ça, on meurt. Il donne la place. Il fait un accident. Quand elle l'a fait, il est mort. Je ne peux pas faire si. Jamais on meurt. Hein? L'accident viendra. Si je reçois, je vais mourir. Si la chose me dit que je vais m'endetter. Je serai emprisonné. La chose me dit que mon mari va me quitter. Non, 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 non,
commettre l'adultère. Non, 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 non. La chose dit que je vais perdre mon argent. Non, 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 non. La chose me dit ne fais pas le prêt. Au cas où voilà les liens de la mort. Nous regardons, le tomaton quand coûte en blague. La deuxième chose qui montre que les liens de la mort t'environnent. En tout moment où tu fais un rêve. Vraiment, tu as pas. Et tu vois un cercueil. Tu as pas. De cercueil. Tu as pas sinon d'appeler. Le cercueil ne peut rien donner de bon. Et tiens, non, moi, tu es bien. C'est ça, tu vois dans ton sommeil. Mon, tu as pas. J'ai bien un cercueil. Tu t'es lève-toi et prie comme ça en même temps. Mon père, tu as pas ma fille. Va beaucoup de personnes ici présentes. Mais non, il y a beauté. Et ils sont debout, ils sont bons. Mais le cercueil est sur leur tête. Et les sorciers leur ont porté cette charge. Voilà les liens de la mort. La main de Dieu les brise. Amen. Tu ne vends que de cercueils. Alors que tu n'es pas vendeur de cercueils. Même le vendeur n'en voit pas autant. Tu dois prier car les liens de la mort te tiennent. Les sorciers utilisent les liens de la mort pour maintenir ta vie sur place. Quand on te jette le lien, le lien te tient et eux te laissent. Quand tu es déjà en case, et toi, c'est ça que tu ne peux pas aller de l'avant. Ça, c'est goudoua. Tu ne peux pas aller derrière non plus. À gauche ni à droite. À moi, non, quand même, tu vas te beurrer dans ce lien-là. Et ton tes années vont finir. Raison, c'est pour cela que quand on devient vieux, on ne possède plus. Et dans Joedo. Ils te laissent. Parce que ton jeune les renouillent. Car c'est que les jeunes ont de la force. Donc ils aident quand même. Quand ils te mettent dans le lien. Maintenant, si tu as avancé en âge, il dit bon, laissez-le. Eh bien. Laissez-le. Amen. Mais ton cas ne sera amen. Pas ici. Amen. Dis, mon cas est différent au nom de Jésus. Ouais, toi qui nous suis sur Port TV. Facebook dit. Sur Facebook. YouTube dit. Sur YouTube. Dis, mon cas est différent au nom de Jésus. Mais bon, pour moi, Jésus, c'est quand même. Et ton cas est réellement différent au nom de Jésus. Comment est-ce qu'il envoie des filets et tu rentres dedans? Nous nous contentons pour Ndoudou, mais. Pas à travers la nourriture. Ndoudou. La nourriture. Attends, nous bidons. Le ventre qui mange toute nourriture. Et un coup, bi. Va mourir de toute mort. Attends, le ventre. Qui consomme toute nourriture mourra de toute mort. Écrivez-le sur votre statut. Le ventre qui a mangé de toute nourriture mourra de toute mort. Un frère. Il est allé au village. Il prie beaucoup ici. Hein? Il voyait que sa mère est sorcière. Et il est allé au village. Relève la tête et suis-moi. Que cela ne t'arrive pas. C'est pour cela que je te dis ça. Et il est allé chez sa mère, mais lui a donné à manger. Mon mari, bonne arrivée. Et ils se sont bien salués. Ils se sont bien salués. Après la salutation du Zaz. Avant quand il partait, ça me donnait à la manger, il ne mangeait pas. Et maintenant j'ai pris de la viande, maman. Maintenant quand il a parlé. Non, non, voilà que tu dis que tu ne manges pas ma nourriture. Hein? Voici que tu ne manges pas ma nourriture. Voilà un petit repas, viens manger. Mon mari, je viens. Hein? Elle est rentrée. Elle lui a fait la nourriture. Elle lui a fait donner une sauce légumes. Et a mis une boule d'acassa à côté. Il lui a remis ça. Frère, le frère en voulant prier. Père dans le nom de Jésus. Quand il a commencé à prier. En même temps. La nourriture était devenue des tessons de bouteille. Demandez à ma femme. Des tessons de bouteilles. Il avait pris la nourriture, mais la nourriture a disparu du plat. Et dans tout le plat, il y avait des tessons de bouteilles.
Bah, mon frère dit là, faut pas attendre. Il dit là, faut pas attendre. Quand il a pris sa chaussure, la tangente totale. Oui, c'est ton. Sa fuite. Mais non, Gandhi. Écoutez-moi bien. Mais non, de Koundé ou là. Vous qui dites qu'il n'y a rien. Nous ne fermons. Il y a des choses. Nous ne. Il y a des choses. Mais des choses, de l'aide. Vous voulez Gandhi. Amen. Mais il y a des choses aussi. On remet ton nom derrière. Un autre bruit. Notre puissance ne fait pas de bruit. Amen. Mais elle a, il a démontré à Adam qui a la force dans la force. Nous ne trouvons pas la force d'Adam. Nous ne trouvons pas la force d'Adam. Amen. Mais la force de Jésus-Christ. Mais qu'on traversait quoi? Celui qui a traversé la mort. Et qui a servi de Dieu le Père. Ah, c'est toi qui t'as traversé quoi? Quel sorcier peut traverser la mort? Edia, ne va. Et en a pas. Mais le pauvre Jésus n'a pas été. C'est celui de Nazareth lui seul. Frère Chodé. Le frère, quand il a prié. Et Chodé nous a dit, on a mis Gogiba. Ça s'est transformé en tension de bouteille. S'il avait mangé les liens de la mort, allait l'environner, il allait mourir. Ah, c'est Chometier. Mon ventre. Chometier. Mon ventre. Chometier. Mon ventre. Minotomi Gandhi. Écoutez-moi bien. Et bien, maintenant, détends. C'est ça, quand je vais sortir ça, c'est pas tout qui peut sortir. Eh oh. Non. Non, blote, ouais. Je fais toujours. Non, blote, ouais. Je fais toujours. Mais non, Kodami. Et on prie pour moi. Mais non, Kodami. On prie pour moi. Continuez. Continue. Au Kusikana, c'est toi, c'est votre bisou à l'œil, toi, même. Les liens de la mort sont des instruments très puissants dans la main des sorciers. Frère, le poti, moi, nous avons Ibadan. Un frère est allé chez sa mort à Ibadan. Tu vois, nous avons vu à toi, il dit, elle nous vient, ne m'a pas écrit. Sa maman a 5 enfants et elle a bouffé 4 et il restait lui seul. Donc, elle nous venons d'où, yo. Et la maman ne voit pas un enfant porter de nouveaux habits. Ah oui, adore, yo, les moins bas. Si tu portes un nouvel habit, c'est fini. Ah, il fait, à son voir. Si tu vas revenir, tu ne reviendras plus. Bon, elle dit, elle dit, oh. Sur le chemin. Et nous j'ai dit ça quoi et nous rien au haut. Quand j'ai la maison on porte des ragnons. Benedien. C'est une vie ça. Bon frère j'ai dit au bus mais oui. Dans le bus il partait. Bon et ça quoi pour quoi là. Quand il était près de la maison. Il dit au conducteur. Notez. Attends. J'adore. Je vais faire pipi. Mais alors, trop dit, là, c'est maintenant on a fait arrêt pipi là-bas. Non, ça, sinon, non, on ne peut pas arrêter. Comme déjà proche. Pardonnez. Pourquoi tu as donné la vie? La maison n'est pas bien pour moi. Mais là, tu as dit que tu as dit. Pour cette, la maison n'est pas bonne et il trouve des astuces. On cherche des astuces. Mais si tu as Jésus-Christ de Nazareth. Même si ta chaussure n'est pas propre, il faut bien cirer. Demande au coiffeur de bien arranger ta coiffure. Arrange ça bien, même bien de l'huile. Amen. Car en Jésus nous sommes bien. Amen. Nous sommes bien pour nous. Et nous sommes à l'aise. Il faut bien nous voir. Et nous sommes yes. De bouteille. Si jamais tu piques, ton bec va se casser. Tu verras que tu ne pourras pas manger. Si tu veux que tu tombes ta propre force. Isaiah, tu ne peux pas mettre dans la chambre. Psaume 116. Verset 3 et 4.
se lit ainsi. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'évoquais le nom de l'Éternel. Éternel. Sauve mon âme. Amen. Oh, ma voix. Oh, Éternel. Sauve mon âme. Pourquoi n'a pas dit ma chair? Pourquoi n'a pas dit mon corps? Pourquoi n'a pas dit mon esprit? Mais il a parlé de son âme. L'homme même debout, c'est l'âme. C'est l'âme. Il a dit les sépulcres de mort. Les sépulcres de la mort me faisaient peur. Beaucoup de personnes sont épouvantées par les sépulcres de la mort. Ils sont épouvantés. Mon nom est là. À ce moment-là, tu vas mourir. Si je tombe, je meurs. Béni. Dis-lui non, stop. Béni. Interdis-lui ça. Christ est mort à ma place. Je ne peux plus mourir. Mais je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Quand la mort rentre dans un commerce, les liens de la mort rentrent dans un commerce. Si on ne les coupe pas, d'être répété. Regarde comment tu transmets, tu n'as pas pitié de toi-même. Mais ils ne font rien à la maison, ils sont à la maison chez eux et ils t'envoient seulement la corde. Et ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas l'évolution de quelqu'un d'autre non plus. Mais toi, tu as Dieu, tu as l'onction. Amen. Nous pouvons régler. C'est la seule chose qui peut les emprisonner, c'est l'onction. La seule chose qui peut les régler, ils seront pile à l'heure. C'est l'onction qui est sur toi. Maman, de quoi bien folklore? Sinon, tout ce qui reste c'est du folklore. La puissance de Dieu, quand elle est sur quelqu'un, quand il parle, le sorcier a peur. Il a peur. Toi, tu ne peux pas avoir peur de lui. Mais il doit avoir peur de toi. Maintenant. Écoutez-moi bien. Nous, c'est là. Quand j'entends que le sorcier est dans une chambre et les enfants de Dieu sont aussi là, quand nous sommes couchés la nuit, à cause de lui, je suis sorti de la chambre car il est sorcier. Si un enfant de Dieu, gifle-le seulement. Giflez-le. Gauche ou droite pour le bien. Donnez-lui deux paires de gifles, une paire de gifles. C'est une vie ça. Et non, mais non. Toi, on te donne la puissance. Bon, non, nous, on t'a donné le nom. Tu as besoin d'acheter un poulet. Je vais vous dire un secret. On ne va pas faire ça. On dit, Père, pardonne-moi mes péchés. Comme je suis pauvre pécheur. Comme je suis un pauvre pécheur, pardonne-moi. Il va finir avec toi d'abord. Rapidement. Laisse les péchés d'abord. Si je ne comprends pas, on ne mène pas ses faiblesses. Hein? Vous allez dire vos faiblesses à votre ennemi. Écoutez-moi bien. Quand tu vas sur le champ de bataille, tu fais le combat. Et il y a la machette qui relance. Et tu fais, tu vas dire. Et quand tu es là, hier j'ai volé. Hein? Ça veut déjà appris ça. Combat, tu dois finir le combat avant de parler du péché. Vérité. Quand le sorcier est dans une chambre, enfant de Dieu, tu es aussi là. Seigneur, je te rends grâce. Car nous sommes dans la même chambre. Si ah, tu ne pas, tu nous c'est au bord du marigot, on voit ça. Il va c'est des sièges. Il va fuir. Tu vas prier proprement. Tu vas pas le fuir. Non. C'est toi, je dis, hein, dans ta chambre, dans ton service, hein, ne lui laisse pas passer. Si c'est ton père ou ta mère, tu peux fuir.
Fais-te l'expliquer. Voici pourquoi tu vas fuir ton père et ta mère. Malédiction de il y a la malédiction qu'ils peuvent t'envoyer. Donc, quand tu seras là, tu vas vouloir prendre ta soeur, ils vont te maudire. Car ce sont tes géniteurs. Cette fois-ci, tu fuis. Fuis de près de lui. Fuis de la maison. Amour. Mais dans mon service, dans mon marché, dans ma maison, dans mon église, celui qui a noué le fouet est auprès de moi. Mais dans le comité, mes amis, mais dans le membre de comité avec moi, je vais rien te dire. Hein? Tu partiras de toi-même. Amen. Donc, Josué n'a pas caca. Car la chaleur serait trop. Je vais te menacer. Non, je menace. Non, yes. Je vais te fixer de date aussi. Si tu es sur l'hôtel, je vais te dire dans 3 mois. Bah, non, tu vas recevoir des balles. Ah, donc, bon, comment, si tu traînes la jambe, allez, tu vas te retourner revenir. Je suis là. Je suis là. C'est toi qui reçois les balles. Tu viens, non? Continue de venir. Et là, tu as dit que 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 tu as je connais les frères qui viennent prier pour toi. Quand ils reviendront maintenant, les liens de la main vont les environner aussi. Mais alors, je ne sais pas si je là, je ne viendrai plus. Hein. Donc, ne fuyez jamais. Et bien, alors, groupe de vivez tu es dans un groupe, il rentre dans le groupe, sois content. Le combat n'est pas un combat charnel. Oh, comment vas-tu? Mais il y a ton défi à ce qui est ici, celui qui est ici ne me salit plus. Et t'as mis, on va maintenant. C'est Eclipse. C'est comme ça doit être. Mais de quoi on flie? Je me rappelle un jour. Donc, Godomé. À Godomé. Évangéliste Amboise n'est fini. L'évangéliste Amboise est là. Mais bref, je n'ai prié à mi-temps. On a fait un jeune prière, on a fini, on est sorti. Bon, mais là, il y a bientôt 3 mois contre toi. Nous allons dire que nous allons visiter le quartier. Bon, nous sommes en 2005 là. Je serai en 2005 par là. Bon, mi-bien, nous sommes dans un quartier. Frère Gérard a fini, on est nous. Le frère Gérard était là. Bon, mais là, il y a les bons. Et on partait. L'homme nous a raconté, c'est un sorcier redouté. Bon, on va bon, et qui fait beaucoup de guérigri. Ben, quoi, mais les bons, alors, il dit, hein? Toi, dans la mitre, le pays est dans votre main, le feu te verra. En 2006. Si c'est aujourd'hui, maintenant, certainement, il va tomber. Mais là, il met un autre coup de pesant mitre. Les gens s'aiment la mort dans vos vies. Mais là, il met un autre coup de pesant mitre. Ils sont des gens qui s'aiment la mort dans votre vie. Et en tout cas, ils vont semer la mort dans ta prière. Combien de fois, mais là, il dit, c'est chaud. Les gens. Sa jeune mère n'arrive plus à prier. Tu serais fatigué. En fait, le palu ici. Tu vas croire que c'est le palu. Palu était. Quel palu? Il y a un tonneau et des mains. C'est ça, ils sont en train de te jeter des choses. Il y a un tonneau et des mains. Cette injection te fait. Frère de diable, sa mère. Un frère a dormi la nuit. Comment on tombe? A vu sa mère. Un rien. Qui tient une seringue. Elle a un seringue, elle est à 1 mètre. Ça fait près de 1 mètre de long. Ouais, seringue dans la main. Elle tient la seringue. Dans le sommeil, elle marchait lentement. Elle le regardait. Il disait Jésus. Jésus. Elle a crié. Jésus. Jésus. Ah! Alors que ça met dans sa chambre là-bas. Bon, on va tomber. Mais pour la première, on ne peut plus dormir la nuit pour vous là. On ne peut plus avoir la paix dans la maison. Jésus a fini pour le faire pour toi aussi, non? Donc, Benin. C'est une vie ça. Bon, grand malheur, ça c'est table. Et la grand-mère, maintenant, quand elle se couche, elle ne dort plus. Hein. À cette heure-là, nos ans. Quand on coûte, on nous pille. Les sorciers utilisent plus les liens de la mort plutôt que tout. Quand on sème, ils sèment la mort dans une église. Si tu ne pries pas, il y aura des paroles qui viendront. Une histoire viendra de là-bas. Une autre histoire viendra ici. Si tu es sage et tu es bien établi, et tu sais ce qu'ils ont dit, ça n'a même pas de base de fondation.
Tout cela que les liens de la mort sont là. Quand les liens de la mort tiennent une femme mariée, elle va vendre tous ses paniers qui sont dans la valise. Ses chaussures, elle va les vendre. Avant que les choses vont continuer de s'empirer. Parce que tout à zéton là et tout coup dans les mains. Car les sorciers ont semé la mort dans ses affaires. Quand les liens de la mort tiennent un homme, il va boire beaucoup. Même si il n'a pas de l'argent, il va s'enivrer. Si il trouve de l'argent, c'est pire. Et il va s'oublier. Ben c'est une vie ça. Le Seigneur va sauver quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur va sauver quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur va sauver quelqu'un aujourd'hui. Un homme a pris de la viande du porc. Nous allons finir ici la prédication. Dis à ton voisin, veux-tu entendre? Le homme qui aime la nourriture mourra de toutes sortes de morts. Et quoi, Madounoua? On ne refuse pas de manger. Mais ce n'est pas en tout temps pour manger. Et on ne refuse pas de manger. Mais ce n'est pas tout l'enfant de Dieu doit manger. Tout ce qu'on te donne, c'est bon de manger. Mais si l'Esprit te dit non, laisse. On lui a dit, on l'a invité, viens manger la vente du pot avec moi. C'est le dimanche qui viendra, on va manger. Il a laissé le culte. Nous adorons Dieu tout le temps, non? Bon, la viande du porc m'a invité, je vais manger. Il a dit que le monsieur l'a invité le samedi soir. L'argent que j'ai espéré, je l'ai eu. Je vais donner ta paille, je vais acheter, on va manger. Alors quand tu ne prends pas la bière, tu vas prendre du coca. Vent pour les 20 000. Bien, vous ne buvez pas du vent pour sans alcool. Sors 10 heures. Demain à 10 heures. Rejoins-moi. Dans le QG. Donc, il n'y a pas le QG. On va se rencontrer dans le QG. Là où on montre le porc qui est couché sur la plaque. Mais tout fier. Vous connaissez, non? Mais on plaque dans le toit. Le cochon est comme ça. Bon, il y a frère mis ton joie, mais ça demain. Notre frère a laissé le culte. Il a laissé le culte. Écoutez-moi bien. Le diable joue avec vous, avec la sagesse. Si le tu pries bien, si tu n'es pas éveillé, il va t'utiliser. Avec la sagesse. C'est le frère qui venait ordonner les chaises à l'église. Il arrange la chapelle. Il va à 6 heures et il fait ça, il va chez lui, il va se changer. Il revient à l'église. C'est pitoyable. Il est allé manger la viande du porc. Quand on lui a servi la nourriture, on a déjà laissé commission auprès du vendeur. Et on a empoisonné la nourriture. On lui a donné ça. On lui a amené la bière sans alcool. On l'a ouvert. Servez lui la bière, il va boire d'abord. Et on attend de griller la viande. On mettait les ingrédients dedans. Et la viande criait. Et la fumée venait. Et le piment pilait le piment. Ah, nous sommes en train d'apprêter la nourriture. Hein. Vous ne savez pas qu'ils allaient le tuer. On lui a coupé la viande, on a apporté ça dans le pot. Vous avez tout coupé comme ça. Moi, je veux les boyaux. Alors que ils sont déjà entendus. Donc, on a laissé l'autre à l'autre monsieur. Alors que ça était déjà empoisonné. Donc, il s'est remis dans le milieu. Donnez-moi ce que moi je dis. Là, parce que c'est la nourriture gratuite. Piro, Akasa. Il a mangé avec les deux mains. Il a mangé, il a bu. Quand il a demandé la nourriture, vous savez ce qui s'est passé? On n'a pas dit. C'est pas on a lu. Vous savez que j'entends des choses. Non? Quand tu me dis tes histoires, non? Je te dis ce que j'entends.
À 2h du matin et la nuit. Mi ya kure pon. On l'a prié. Kokoro ro kokole oko du ko tomen. Un coq pousse de cri dans son ventre. Bro, derrière. Kokoro oko. Prière kokoro oko. Mais va y faire assis tombe dehors. Là, il va se faire bizarre. Mais c'est kokoro assis dia. Tu as entendu le coq chanter maintenant? Femme de l'Est, moi, va te coucher. Et elle s'est couchée. Fais le point, car on te confie la vie. Elle a mis le coup de tourner, mais elle a mis le coup de tourner. Ça n'est plus quoi faire. Bon, elle répond. Je vais essayer. Au nom puissant de au Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cocorioco! Cocorioco! Le coton mère. Dans son ventre. Le coton mère. Dans son ventre. Le coton mère. Dans son ventre. Et va bien. C'est fini, hein? Attends, encore pour troisième chose, essai. Il sentait des douleurs dans le ventre. Quand le coq chante, il entend. Mais personne ne l'entend. Et il commence les mots de ventre. Cette fois, l'opération. On l'a opéré cette fois. J'entends le chant du coq. Mais personne ne l'entend avec lui. Lui qui marchait bien droit. Maintenant, il marche courbé. Donc, tout temps, l'opération sur en tout moment, on l'opère. Quelle viande de porc a-t-il mangé maintenant? Fais attention. Quand les liens de la moelle veulent t'environner, c'est à travers la nourriture qu'ils vont prendre. Aimes-tu manger? Tu vas mourir de toutes les morts. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu t'es mis à courir. Lève-toi, nous allons prier. Ok. Maintenant, bien, après, c'est à courir. Combien de personnes sont prêtes pour prier? Un. On dit que quand il après prier, mais après, après, beaucoup seront de l'eau. Amen. On va me pilier, tu te vas courir. Je veux que tout le monde se lève pour prier. Ouais, mais d'ailleurs, monsieur, Facebook, ouais, tu te bats. Toi qui nous suis sur Facebook, lève-toi pour prier. Non, écoute, when da gwe tué. Voici le meilleur des moments. When tué da gwe adié. Voici le bon moment. Ando touché, touché. Tu vas dire mon père, mon père. Bon mieux pas gwa ko. Avec le feu éternel. Ouais, au coup si quand est-ce que je rends les liens de la mort. Avancer, donne avancer. Je dois avancer. Et au coup si quand est-ce que les liens de la mort sont ouverts. Anywhere, maintenant.
Kusika. Amen. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Avec ton feu. Tout lien de la mort. Qui a lié mes finances? Qui a lié ma destinée? Avec ton feu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sukete kete kete
Au nom de Jésus, lève ta main. Dieu veut libérer certains de la mort. Amen. Si tu peux la répondre. Lève ta main. Toute personne au milieu de nous. Et est allié avec les liens de la mort. Tout ce qu'il entreprend ne va pas. On est quoi? Jordan. Quand il est toi les liens sont rompus. Et quoi le point il est? Le déjà. Ça se passe. Ça se passe déjà. Il est bien votre c'est quoi là? Il est bien votre c'est quoi là? Amen. On est quoi le nom de Jésus Christ? Jordan au nom de Jésus. Cousin Big Bolé. Cousin Big Bolé. Regardez ça. De la mort. Go. Amen. Go. Amen. Fire. Mioni moi. Reçois le feu. Mioni moi. Reçois le feu. Toi, c'est quoi ça, sors de sa vie. Hein. Regardez. Ça se passe. Yes. Fire. 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 On est quoi? Jordan. Beto 42. Hey. Deux personnes. Eh ouais, Mauna Bagana et Bé. Regardez. Je vais libérer aujourd'hui. 1, 2, 3. Ika Toto. Amen. Voilà. Yes. Quelque chose se passe. Mais tocan, c'est pas tout. Ceux qui sont liés. Et les liens de la mort les tiennent. Et on a fixé l'heure d'un. Regardez ça. Yikan tout le monde s'est entier. Amen. Amen. 2, 3. Amen. Je te libère. Allez dans toi, qu'on s'est entier. Amen. Amen. Renoukan debout. Tout chef de collectivité. Assou-toi, assou-non. Tout pompé, belle-mère. Tant qu'on n'a pas debout. Père et mère. Tata debout. Tout seul. Et quand on est dans le monde, il est en esclavage. On est quoi? Maintenant. 1, 2, 3. Yikan tout. Reçois. Yikan tout. Reçois. Yikan
Lève tes mains. Évolution totale. Au coup de boule blague, j'en crois toi. Tout moi qui tiens ta pied de ton fond de commerce. Au coup de boule blague, j'en crois toi. Tout moi qui tiens ton fond de commerce. Des blagues, quoi si quand toi. Qui lit tes finances. Besoin d'un homme. Et t'as mis dans la dette. Il est comme un. Dans les soucis. Manger dix mains. Dans le non-aboutissement. Un, deux, trois. Libéré. Amen. Jordan, quand il blague pour nous, les liens qui tiennent tes pieds, ça se passe déjà. Un, deux, trois. Yikadoudou, Yikadoudou, Lambaya Makarido Narida Makaraba, Lete Kerebo Chika, Chiko Toraba, Ola, Kouton, et Sinali Menoui, les chers de moi qui tiennent ta rein. On t'a cancé en l'intoué. Je les coupe. Amen. On t'a cancé en l'intoué. Je les coupe. Amen. On t'a cancé en l'intoué. Je les coupe. Amen. On t'a cancé en l'intoué. Amen. On t'a cancé en l'intoué. Amen. On t'a cancé en l'intoué. Amen. On t'a donc présenté toi dit. Je déclare sur ta vie. Anna quoi? Tu ne mourras pas. Anna quoi? Tu ne mourras pas. On t'a coupé quoi? Amen. Amen. Quand on est blâmé, non? Celui qui te tient. Fire. Fire. Fire! 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 Yikatoto! Azon, déjà pour la soirée, je nous coupe. La maladie qui veut t'amener à la mort. Moins qu'en nous. Amen. Moins qu'en nous. Amen. Moins qu'en nous. Amen. Un chacun. 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 Amen. Deux jours aussi quand même. Amen. Touché, touché. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père.